Recevoir 100 euros et faire profiter ses amis d'un bon plan, je pense que c'est une excellente nouvelle et c'est justement ce dont je voulais vous parler aujourd'hui à propos de Nickel qui lance une offre inédite de parrainage. Ça vous intéresse? Regardez la vidéo. Bonjour, je suis Steph et présente la chaîne de comparatoirement.com qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires. Aujourd'hui, nous allons nous attarder principalement sur la solution de Nickel qui est un compte pour tous. Donc, si ce type de sujet vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne, likez la vidéo, partagez-la et laissez un commentaire en dessous de celle-ci à propos de votre expérience ou une question si vous en avez à son sujet. Ceux qui veulent ouvrir un compte chez Nickel auront accès justement à son formulaire dans le descriptif sous la vidéo. Vous aurez également accès à notre enquête complète et impartiale à son sujet. Pour les autres qui sont déjà clients, eh bien sachez que vous pouvez laisser votre code parrain sous cette vidéo et sous les autres. Venons-en au fait. Nickel surfe sur la vague du succès. En 9 ans d'existence, le compte sans banque ouvert à tous, qu'est Nickel, enregistre déjà plus de 3 millions de clients et est distribué auprès de plus de 7000 points de vente en France et dans les DOM-TOM. Pour cette raison, eh bien, ils ont décidé de remercier les clients d'une manière inédite. Pour remercier ces nombreux clients satisfaits, et seulement jusqu'au 17 mai, Nickel a décidé de relancer son programme de parrainage. En effet, chez eux, cette fonctionnalité, ce service n'est pas actif tout le temps et en ce moment, il fonctionne. Et donc, l'offre inédite du moment est la suivante. Eh bien, sachez que les 3 meilleurs parrains recevront 100 euros en plus de leur prime de parrainage. Qu'est-ce que cela signifie? Nous allons le voir en quelques secondes. D'une manière générale et habituelle, le parrainage fonctionne ainsi chez Nickel. Sachez que aussi bien le parrain que le filleul, donc le filleul étant la nouvelle personne qui va souscrire un compte chez Nickel, eh bien les deux personnes reçoivent 3 euros. Il est possible de parrainer jusqu'à 50 personnes pendant la période de parrainage. Donc ça, c'est en ce moment et c'est donc jusqu'au 17 mai. Comme je vous le disais, cette fois, Nickel va plus loin avec cette prime boostée de 100 euros qui récompensera donc justement les meilleurs parrains du moment, en sachant que le meilleur parrain, ou plutôt les meilleurs parrains, seront ceux qui auront fait le plus de filleuls le plus rapidement possible. C'est donc un moyen pour Nickel eh bien, de remercier ses clients, mais également aussi, vous l'avez compris, de recruter de nouveaux clients. Car le bouche à oreille est aujourd'hui la manière la plus intéressante pour les établissements de ce type de recruter des nouveaux clients. En effet, quoi de mieux qu'un client satisfait pour en attirer d'autres? Comment ça marche? C'est simple. Le parrain et le filleul doivent être majeurs et résider en France. Le parrain doit être client Nickel et le filleul ne jamais l'avoir été. Il suffira donc de partager son code parrain qui a été reçu par email et le faire donc pendant les périodes de parrainage. De son côté, le filleul pourra accéder au site Nickel en cliquant sur le lien qui est sous cette vidéo ou alors accroché en haut. Il indiquera donc dans le formulaire le fameux code parrain afin de recevoir ses 3 euros également. Comme vous le voyez à l'écran, ouvrir un compte chez Nickel se fait en seulement 5 minutes et c'est vraiment très simple et hyper intuitif. Maintenant, je me permets de faire un petit rappel à propos de Nickel. Eh bien, qu'est-ce que Nickel justement? Eh bien, c'est un compte qui permet de payer et d'être payé. On peut tout faire avec cette carte. En effet, on peut très bien donc retirer de l'argent liquide, donc en sachant que ça sera moins cher dans les distributeurs Nickel auprès des bornes Nickel, mais on peut le faire n'importe où. On peut également faire ses achats en ligne, on peut également mettre des prélèvements sur ce compte et on peut également payer en France ou à l'étranger. Ensuite, sachez que Nickel, c'est aussi un compte pour tous. C'est-à-dire que, eh bien, sachez que même les interdits bancaires sont acceptés chez Nickel. Même les étrangers, même ceux qui ont très peu de revenus. Bref, tout le monde est bienvenu chez Nickel. Pour alimenter son compte, eh bien, cette solution ne cesse de rajouter de nouvelles fonctionnalités. En effet, il est possible d'alimenter son compte, donc bien entendu, par carte bancaire, par virement, donc que ce soit des aides sociales, que ce soit votre salaire ou des virements de la personne de votre choix. Et il est également possible d'alimenter son compte en argent liquide lorsque vous voulez, par exemple, déposer de l'argent liquide chez votre buraliste pour alimenter justement ce compte Nickel. Donc, il faudra que le buraliste soit agréé par Nickel et qu'il dispose d'une borne Nickel. Et il est également possible aussi, depuis un petit moment, d'alimenter son compte avec un chèque.
Attention, je préfère vous rappeler que ce compte doit être à usage personnel et non professionnel. Petit détail, sachez que justement, eh bien sur cette chaîne et sur notre site comparatoirement.com, nous avons une multitude d'études, d'enquêtes, de tests et de tutos à son sujet. Donc si vous souhaitez justement savoir un petit peu plus à propos de l'alimentation du compte, à propos des frais, à propos des plafonds, sachez que nous avons toutes les réponses sur le site ou sur cette chaîne. Donc soit vous les trouvez par vous-même, soit vous me posez la question et je vous indiquerai le lien sous la vidéo. Concernant les prix, eh bien sachez que Nickel justement donne accès à ses services dès 20 euros par an seulement. En effet, la solution classique de Nickel, qui est la solution initiale proposée par cet établissement, n'est qu'à 20 euros par an. Voilà, donc c'est vraiment des frais qui sont en dessous de ce que l'on peut retrouver dans une banque classique. Donc ça permet de réaliser de grosses économies, ce qui est idéal pour les personnes à revenus modestes, mais également aussi peut-être pour ceux qui souhaitent justement se débancariser et sortir du système bancaire, car Nickel n'est pas une banque. C'est aussi une solution parfaite pour se multibancariser et donc ouvrir un compte secondaire. Nickel propose également d'autres formules que sa solution classique à 20 euros. En effet, il y a par exemple MyNickel qui est une formule avec une carte nominative dont le design peut être personnalisé. Donc les frais annuels de Nickel restent à 20 euros par an et il faudra rajouter 10 euros pour la carte qui sera disponible et utilisable pendant 4 ans. À côté de ça, il y a également Nickel Chrome dont les frais sont à 20 euros par an donc pour les frais habituels et la carte de son côté sera à 30 euros par an. Et enfin, n'oublions pas Nickel Metal qui sera à 20 euros par an pour les frais annuels et 80 euros par an pour la carte. Et c'est l'occasion pour moi de vous rappeler l'heureux événement car en effet, Nickel Chrome fête au mois de mai cette année ses 5 ans d'existence. De nouveau, je vous le redis, si jamais vous vous posez justement des questions à propos des différentes formules pour savoir laquelle choisir, regardez notre site ou la playlist. Donc n'oubliez pas, vous avez le lien en dessous de la vidéo pour souscrire un compte chez eux et devenir client Nickel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je suis là pour y répondre, je suis là pour vous écouter, que ce soit pour une question ou peut-être une suggestion, qui sait. Nous sommes présents sur Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram pour répondre à vos questions concernant les frais bancaires, pour vous aider justement à réduire vos frais fixes inutiles et pour vous aider à mieux gérer votre budget. N'oubliez pas de nous lâcher un petit like sous la vidéo et à vous abonner. Je vous souhaite une très bonne journée, au revoir.